Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Cosmotir. Car figurez-vous que je viens d'y repenser, seulement maintenant. Alors attendez, déjà café. Oui, j'ai pas mis le. On est en pause parce que bon, déjà que vous savez que mon volume de casque, de micro, il est pas ouf. J'ai encore vérifié, hein. J'ai beau vérifier en long, l'argent au travers. Si, il y a un truc que j'ai pas essayé, tiens. Un truc que j'ai. Ouais, mais alors du coup, je vais peut-être pas l'essayer maintenant. C'est de me mettre en mode R. Si, tu sais quoi, je vais le faire. Voilà. Là, je suis en mode R. Mais ça change R, je pense. Voilà. Au cas où ça changerait quelque chose, tenez-moi au courant. Voilà, sinon, je vais le désactiver parce que ça se trouve que ça a coupé le son dans le jeu. D'après le mixeur, c'est bon, hein, mais dans le doute, je vais l'enlever. On sait jamais. On sait jamais, on sait jamais. Donc voilà. J'ai mon café, on peut commencer à en parler. Cosmotir, figurez-vous que ça fait à peu près 6 mois qu'on m'a demandé de faire un vaisseau. Donc il y a 6 mois, j'ai fait un vaisseau et j'ai tourné un épisode. Mais j'avais eu un problème de son. Typiquement, on ne m'entendait pas, en fait. Donc c'est un peu bizarre comme vidéo. Et en plus de ça, le volume du jeu était forcément bien à don sa race. Donc non seulement ça pétait les oreilles, et si quelqu'un essayait de m'écouter, bah il était obligé de se détruire les oreilles. Donc bon, en fait, c'était pas recevable. Et c'est uniquement parce qu'il y a quelques jours, là, je viens de me faire, je sais même plus il y a combien de temps, je viens de me faire engueuler parce que j'avais un vaisseau à 170 000 balles et que j'avais 500 000 balles de côté. On m'a dit, mais t'es vraiment trop con. J'ai presque envie d'aller chercher le commentaire, bougez pas. Vous savez quoi? Je vais le chercher. Bougez pas, j'ai la réponse. De toute façon, je vais vous l'upload aujourd'hui, donc il y aura pas d'embrouille. Ce seront les vraies stats. Ce seront les vraies strats. Ouais, c'est ça. Comme d'habitude, gaming, s'il vous plaît. J'ai regardé, en plus, j'étais étonné. Il y a encore des gens qui regardent cette chaîne. Alors que je ne poste. En fait, c'est le secret de cette chaîne. Enfin, je ne poste rien, les gens regardent. Quand je poste des trucs, les gens ne regardent pas. Donc je vais me remettre à poster une vidéo tous les jours. Vous allez voir, vous allez serrer un joint de culasse. Bon, alors, qu'est-ce qui m'a engueulé là? Ah oui, c'est Legender 78 du 7-8, bien t'as vu? Ou alors il est né en 78, celui qui dépense, ça dépend, tu nous diras si c'était des Yvelines ou si c'était né en 78, ou si c'était le numéro 78 des légendes, je sais pas. Est-ce qu'il y a un rapport avec League of Legends? Si c'est oui, je te déteste. Voilà, donc il m'a engueulé, donc il y a quelques jours, il y a 2 semaines. Ouais, ma notion du temps est particulière. Hein. Ah bon, en ce moment, je suis sur DRG en même temps, j'ai une excuse. DRG, nouvelle mise à jour, incroyable du cul. Et je suis sur The Elder Scrolls Online, mais je suppose que ça n'intéresse personne. Si ça intéresse quelqu'un, vous me le direz. Hein. Si vous voulez juste qu'on fasse des prisons, on fera des prisons. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça fait longtemps que je me suis pas fait une petite tôle. Mais voilà. En fait, voilà, c'est là que je me suis aperçu que du coup, je vous avais jamais montré ce vaisseau. Pour vous montrer ce vaisseau, il faut que j'ai les moyens financiers de le jouer. Ça vous dit de rejoindre un vaisseau à 170 000 balles? C'est parti. Alors, dans l'épisode précédent, que j'ai pas du tout regardé, je pense que je vais me faire péter le cul parce que ne doit rien rester de facile et de gratuit là, c'est ça, hein, c'est que ça va être que des gens qui sont pas gratos quoi. J'avoue, mon vaisseau est rikiki surtout. Ça se tient de vie. Alors. Je vois que l'alimentation n'est pas si simple que ça. Déjà, c'est un problème. Je vais y aller vanille. Hein. Pour l'instant, je sais pas du tout ce que je vaux. Je sais plus rien. Franchement, ça s'est très bien passé. Je rappelle que le problème des vaisseaux qui possèdent des pupules laser qui paralysent les boucliers, c'est qu'ils te font des dégâts monstrueux. Ça s'est très très bien passé. On a gagné 1000 balles. C'est honteux. C'est honteux. Ils sont deux là, ici, là, non? Non, il n'y en a qu'un. Vas-y. Vas-y, let's go, on va le voir. Oui. Il était gratos.
Alors, à titre informatif, même moi j'ai baissé le volume et ça me pète encore les oreilles. Ce genre a un souci avec son volume. Voilà. Vous me direz s'il faut que je baisse ou pas. Ah, faute grave, faute grave, faute grave, faute grave. Menu. Sauvegarder la partie. Easy life. J'ai avancé ça moi. Ok. Excellent. Excellent. Excellent, excellent. Oh non, c'est là, je suis en lit. Ça s'est très bien passé. On doit avoir un bambou au doigt. Putain, on a déjà pour 1000 balles, hein. Le moindre taser laser, c'est 1000 balles. Hein. C'est 1000 balles ou je remballe, hein, direct. Insupportable. Insupportable? Insupportable. Arrêtez de répéter ce que je dis. Voilà. Vous avez évidemment cette référence. En tout cas, il bouge vite lui, hein. Ah! Ah! Ouais, on va viser la directe. Bingo! C'était facile ou pas? C'était facile, hein. Moi, je pense que c'était juste hyper facile. Il y en a qui me disent mon vaisseau il vaut plus rien, machin. Mais comment ça? Super facile ce jeu! Attends, est-ce que par hasard la bavure, c'est pas. C'est pas, j'avais oublié d'enregistrer mon vaisseau. Non, il est toujours là, c'est bon. Hop, vous l'avez vu vite fait, c'est un vaisseau à presque 10 millions. J'ai vérifié en plus pour une fois, c'est pas un de mes gros tas qui a du mal à bouger. Il bouge bien, il a une bonne manœuvrabilité. Il est segmenté en quartier, enfin bref, on aura le temps d'en reparler. On aura le temps d'en reparler quand on aura le droit de le jouer. Le secteur est tout petit, jamais je vais pouvoir faire 10 millions de dollars là-dedans. Mais t'es malade. Si on allait là. Mais comment je vais faire 10 millions? Mais monsieur? Comment il est prévu qu'on fasse de l'argent? Mais comment on fait de l'argent? J'ai vraiment joué sur un truc microscopique. C'est vraiment ma vie. D'accord. Écoutez, si c'est vraiment ma vie, vie de merde. J'ai rien d'autre à ajouter. Bah tant qu'il a pas de pupiou qui pète les boulouillers, c'est bon quoi. Il a pas ça, mais c'est un peu chiant. C'est bien l'usine de fabrique. Voilà. Ça recharge. Formidable. Allons tuer celui-là, là. Il a l'air de s'éloigner du troupeau. Ici. Ah non. Ah non. Trop mauvais bail. Oh, tellement dégueulasse. Coûter une fortune, salaud. Ces vaisseaux qui coûtent une fortune. C'est vraiment. Il y a vraiment un problème avec l'équilibrage de cette arme en fait. Parce que c'est vraiment la seule arme qui a réussi systématiquement à vous coller des dégâts. Toutes les autres ça passe, mais celle-là non. Ça... Et voilà, les spaghettis instantanés sont prêtes. Vos nouilles instantanées sont prêtes. Incroyable. Allons fracasser celui-là. Mais en vrai, ma petite crotte à 170 000 balles, ça serait plutôt pas mal. Hein. Ça juge, hein. Mais c'est pas mal. Hein. Ok.
de là-bas en fait. Dépêchez-vous de recharger. Allez, on se grouille. On n'a pas le temps. On a besoin de 9 millions. On n'a pas le temps du tout. Non, mais après, avec 1 million, on va voir ce qu'on peut bricoler. Ce qu'on peut bricoler ou ce qu'on peut acheter, à la limite. Parce qu'on peut aussi. On peut aussi décider de partir sur quelque chose d'un peu sympatoche. Ouais, il a des pupilles laser sur les côtés, c'est électrique. IEM sur les côtés. Hein? Et c'est le seul truc qui colle des dégâts. C'est insupportable. C'est vraiment le pire flingue du jeu. Je vais finir par mettre que ça en fait. Je pense que j'en ai juste pas assez. Faut que j'en mette plus. Et on sera bon. Je m'en mets plus, comme ça les mecs ils font plus de boucliers quand ils en ont. Ouais, salut, ça dégage. Et puis le dernier, hein. Voilà. Petite session en bas. Alors, il a pas de pupu relou. C'est un stockage d'énergie, ça n'explose pas. Bah, vas-y. Et bah c'était stylé ce que faisait son pilote hein. Bon bah voilà. J'ai l'impression que de toute façon on va être obligé de relancer. Alors je voudrais bien la continuer mais de toute façon on va être obligé de relancer une game donc c'est un peu dommage. Mon petit vaisseau à 170 000, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'en vrai on le... Ah, après tu me diras, il y a une chance que les primes augmentent. Mais même avec les primes qui augmentent... Même avec les primes qui augmentent, j'ai peur que ce soit pas... Enfin, quand on aura les 9 millions... Enfin, les presque 10 millions, j'ai peur que ce soit déjà trop tard. Pour vous présenter en plus ce vaisseau qui n'est ni nommé, ni peint, ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que... Je suis en train de réfléchir à ce que je fais. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on peut dire que cet épisode est nul à chier. Et que mon petit vaisseau à 170 000 quelque part, est-ce que c'est pas un peu le meilleur? Ça me permet un peu quand même d'engueuler quelqu'un et on dit qu'on se retrouve sur un nouvel épisode. Oh, sur une nouvelle partie. Oh. Une taille de galaxie énorme? Pas de galaxie? Comment ça? Il n'y aura pas de carte de la galaxie. Ah oui, c'est vraiment juste une bas contre 4 vaisseaux terminés, fin de la game. Chasseur de primes. Ah, c'est parce que j'étais en mode chasseur de primes. D'accord. Bon, on se mettre en capitaine. Hein. On va se mettre en énorme. Et on va reprendre le modèle L, comme d'hab. La bonne grosse merde. Je sais même pas si on était en amiral ou quoi. Je sais même pas. Petit café. Je sais même pas en quoi on était. Bon bah là on fait... voilà. Voilà. Nous ce qu'on veut c'est ça. Et en fait ce qu'on veut... ici là c'est ça. Tout le reste c'est de la merde en fait. Et vu que notre vie est nulle à chier, s'il vous plaît en termes d'énergie, mettez-moi ça là quoi. Voilà. Puis il y en a qui me disent que mon équipage est insuffisant, c'est pas vrai ça. Regarde, avec le budget qu'on a fait ça, voilà, on a trop d'équipage. Bah alors, on a trop d'équipage maintenant. Bah voilà. On peut même avec
question de confort. Ah non, oui, alors je voudrais pas de symétrie axiale, s'il vous plaît. Oui, alors. Désactive-moi ça. Voilà, je veux juste donner toi de là à de là. Voilà. Mais il me dit qu'on a toujours pas assez d'energizer. Toujours pas. J'ai envie de mettre le poste de pilotage par là, un petit peu exposé, c'est cool. Après, je pourrais essayer de faire un truc un peu stylisé, mais là pour l'instant, j'en ai rien à péter. Et juste en termes d'énergie, on peut pas mettre plus. Bon, allez, merde. On a bien assez ce qu'il faut. Voilà. Le jeu qui ne sait pas calculer de toute façon. Bon, mets-moi en x2, peut-être un truc là-bas et let's go. On va le hacher menu. Voilà. Ça, il existe pas. Un bel abattage, comme on l'aime. Vraiment, dans le sang et la douleur, vraiment tout ce qu'on aime. On peut pas aller plus vite là ? On vous emmerde, hein. Ok, j'ai compris. Ça va être compliqué. J'ai fait une faute grave, c'est vrai qu'ils bougent tous très très vite au début. J'aurais pas dû faire ça. Je vais le regretter. Oh quoi, ça a l'air d'aller. Ces petites merdes IUM dont je connais jamais le nom, parce que ça a un nom, voyez-moi bien. Allez, je vais aller chercher. L'électro-bolter, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans le jeu. C'est tout. Ça tire sur un canon laser, le canon laser peut plus tirer. J'ai tiré sur leur salle de pilotage, ils peuvent plus piloter. J'ai tiré sur leur générateur électrique, ils ne peuvent plus générer d'énergie. C'est pété. C'est complètement pété. Et en plus de ça, ça cause des dommages, c'est-à-dire que vraiment, c'est-à-dire que même si je te tire qu'avec ça, au bout d'un moment, je détruis ton vaisseau. Je te fais vraiment des dégâts dans ta coque. Je fais pas juste des impulsions électriques. J'abîme ton vaisseau, c'est l'arme le plus pété du jeu. Et il y a un mec qui s'est dit, ouais, bah let's go, hein. Ça a l'air d'être une excellente idée, on va valider ça. Propulsion non disponible. Ah, ça m'énerve. Moteur à la con. You. Voilà. T'es où? T'es là. Voilà. Très bien. Bon. Enclenche la turbanite. Les instantanés sont prêtes. Non mais je suis en train de me rendre compte que je suis en train de vous faire un grand épisode là en fait. Est-ce que je peux avoir la durée de tournage s'il vous plaît? Quoi? Ça fait au moins 18 minutes là. Ah, vous aurez pas d'épisode pendant 8 heures. Ah bah j'ai perdu la gueule. J'ai pas perdu la game. C'est tellement pété comme arme. Je restocker. Tant que c'est vidé pour restocker, ça va. Ouais, on peut aller voir le petit mec, hein. À un milliard de kilomètres. Ok. T'es mort. T'es mort, je te dis. J'ai bien envie de te péter d'abord ton canon. Alors, je peux pas t'empêcher de tirer, hein. Ouais, c'est ça. Ça, l'avantage du canon, c'est que c'est dur. Je crois qu'il y a un peu d'incendie à bord. Bien sûr. C'est pas formel, hein. Ah, c'est peut-être des réacteurs. Hein. C'est peut-être des vieux propulseurs au gasoil, hein. C'était peut-être ça. Hein. Le truc, ça colle des incendies. C'est infâme. Pire flingue du jeu. Ah, il peut plus rien faire.
jeu. Hein. Ah, bah là, on va pouvoir s'amuser un peu. Je pense qu'on va rester sur cette carte un petit moment. Allez, voyageons là-bas. Voyage, voyage. Ah, n'oubliez pas de récupérer votre tasse de thé. Parce que vous êtes un type dégueulasse. Venez du thé. Voilà. Mettez celui-là, il est tout seul. Très bien. Let's go. Donc là, juste on ramasse du fric hein, avec notre vaisseau à 84 000 $. Hein, on rappelle, très important. Autant d'argent en réserve. Est-ce que Legenders du 78, tu fais un AVC? J'aimerais savoir. C'est très important. C'est très important pour moi. Ouais, je vais plutôt aller sur celui-là. Oh, là, il est possible que je me tape les trois en aggro. Hein. Selon le move de celui-là et à quelle vitesse je vais l'abattre. Non, ça va se passer, ça va se passer. Statue hein, quand même. Hein. On était quand même en grosse saturation. J'étais en train de voir l'énergie en haut à droite, je faisais... là, c'est quand même en flux tendu. Hein. Let's go. C'est quand même rigolo. C'est très très drôle, on adore l'humour. Qu'est-ce que c'est que cette merde? T'appelles ça un vaisseau? Qu'est-ce que j'en fais de ton vaisseau? Buter le dernier. Voilà. Terminé. On voyage. Suivant. Intéressant hein, ce qui se passe. Hein. De toute façon, tant qu'on tombera pas sur un connard avec des tas de pioupiou des gros bolteurs. Rien pété. Ça va. Regarde-toi là, t'es mort. Même pas je recharge, j'arrive, t'es mort. T'es mort, t'as pas d'électro-bolter, t'es mort. On va vite le savoir. Pas d'électro-bolter, t'es mort. T'es mort. Prends ce que tu veux, t'es foutu. Voilà, suivant. T'as des électro-bolter? Si oui, y'a match. Sinon, y'a pas match. Si t'en as deux, y'a match. Si t'en as trois, t'as gagné. Parce que j'en ai que deux. Voilà. Match. Ouais, je vais continuer à faire des no match quoi. Et je me mets des pénalités parce que je suis en foutant, je me laisse pas recharger. Excellent. Allez, no match. Let's go. Je mets même des pauses pour m'empêcher de recharger le temps que je clique. Vous vous rendez compte? Je me mets tous les malus du monde là. Je vais même devoir désinstaller le bouclier. Non, peut-être pas. Idée de con. Mais insuffisante puisqu'il n'avait pas d'électro-bolter. Rappelez-vous, pas d'électro-bolter, vous avez perdu. C'est aussi simple que ça. Pouf, dans notre secteur, est-ce qu'il reste des gens gratos? Non, il faut qu'on fasse un up de notre vaisseau. Alors c'est parti, alors ouais, je vais vous expliquer comment on fait un up de son vaisseau. Par Knarfang. Alors, un up de son vaisseau, comment ça se passe? Vous prenez ça, vous foutez ça quelque part, parce que là on s'en fout. Ça bouge pas. Voilà, alors vous avez ça, c'est ce qui est très bien, hein. C'est très beau stuff. Hein. On aime beaucoup le matos qu'on voit là. Mais, MAIS, conjonction de coordination qui marque une opposition. Plus d'électro-bolter. Ah oui, alors il faut me remettre la symétrie axiale en fait, sinon c'est... Voilà. Mais alors, est-ce que plus de pioupiou n'entraînerait pas plus de pioupioutage? Non, c'est une réflexion que je suis en train de me faire, excusez-moi. C'est une réflexion à base de pioupiou. Je suis en train de me dire que peut-être, en fait, au lieu d'avoir un bouclier central, je pourrais, voilà, me permettre de chic-dotaser comme ça. Voilà. Et puis bah là on peut parfaitement reprendre nos merdouilles là. Hop là. Non c'était pas cela. C'était cela. Ouais, tu sais quoi, on reste ici aussi en fait. On va augmenter notre propulsion tout simplement. Ouais, ça me paraît très bien ça.
C'est très joli. Comment on fait une rota dans le jeu, je sais même plus. Alors c'est pas R, ça doit être une touche obscure, c'est pas O. C'est pas R? Non, c'est pas R. R, c'est supprimé. Merde. Alors, ça va être peut-être précisé quand on est dessus. Alt pour voir les stats. Ah, il y a des stats maintenant! Putain, c'est trop bien, il y a des stats maintenant! Ça se trouve qu'il y en avait depuis un moment. La rota, comment on fait des rotas dans ce jeu? Essayons A. Z. Non, c'est pas Z. Essayons E. Non, c'est pas E. Essayons un T. Ce n'est pas T. Essayons un Y, un U, un I. C'est rigolo. O, c'est pas O. C'est pas P non plus. On va y arriver, hein. Ne vous inquiétez pas. Je vais trouver cette touche. Est-ce que c'est Q? Est-ce que c'est S? Est-ce que c'est D? Est-ce que c'est F? C'est pas. Mais F, ça fait un truc, visiblement. Ce n'est pas G, figurez-vous. H. J, K, L, M. Ah, M, c'est pour la symétrie axiale, intéressant. W, X. Ah, X, c'est pour. Il y a un raccourci pour les portes. C. Ce n'est pas C. C, c'est visiblement pour le crew. V, B. Et ils se foutent de la gueule de qui? C'est aucune touche ou je vais m'énerver? N? Point d'interrogation, exclamation. Il y a une touche qui marche, bordel, pour rotate des trucs ou pas? Attendez. Ok, B c'est pour lancer le menu de construct. Ah! J'ai trouvé! C'est point d'interrogation. Mais excusez-moi, mais là j'ai le droit de dire enfoiré d'américain de merde. Je suis désolé, mais j'ai le droit. Non, légitimement, j'ai le droit. Je pense qu'on peut vérifier dans la loi. Je crois que j'ai le droit. Je crois que j'ai le droit de les traiter de putain de rigolade. Je pense que c'est legit. Tu sais quoi? En fait, je pense qu'on peut même mettre le même ici, là. Voilà. On a le même, c'est joli, c'est très bien. Voilà. Et du coup, on peut même faire ça, là. Ouais, bon, ça, on s'en fout, c'est de la merde. Là, on peut bouger ça ici, là. Voilà, c'est incroyable. On peut se mettre un moteur centralisé juste ici, là. On peut se mettre ça juste là parce que c'est esthétique. Hein. Mais alors, vraiment, juste parce que c'est esthétique. Ça, c'est de la merde, ça n'a jamais servi à rien dans les vaisseaux. Mais vraiment, je vous jure, ça n'a. Je voudrais vous dire que ça a servi un jour à quelque chose, mais ça serait vous mentir. J'ai focus hein, mes yeux dessus, j'ai regardé, ça n'a jamais servi à rien. Pourtant, j'étais convaincu que ça pouvait avoir une utilité. Hein. Ouais, on a augmenté notre masse, mais pas tant que ça. Je vais quand même rajouter un peu de propre. Attention, vite fait. Mais c'est vraiment vite fait, hein. C'est pour le fun. C'est pour l'esthétisme hein, que je l'ai ajouté. Le blindage, c'est utile, ça peut dégager. Voilà, un bon squelette, comme on l'aime. On pourrait s'amuser à se mettre déjà des lance-torpilles, je sais pas en termes de budget où est-ce qu'on en est, mais il reste 153 000 là. Eh ben. Ah oui, on pourrait quand même s'amuser à lancer des torpilles sur les gens, ce serait rigolo. C'est vrai. C'est vrai qu'il y aurait un petit côté cocasse. Du coup, ça me tente de devenir taquin. Ouah, la taille du truc. J'adore. J'adore, je prends ça. Oui, j'ai besoin de compenser, alors. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? excellent. Ouais, équipage. Ah ouais, équipage, ils considèrent qu'on est dans. On n'est pas ouf. Tiens, voilà de l'équipage. Ouais. Voilà de l'équipage. Et puis. Et puis. Et puis. Et puis. Hop. ICA. Voilà. Et là, on est bon. On est large. On est large sur tout. Arrêter de German Soulex. Alors en fait, si je voulais faire les choses bien, pour être très exact, il faudrait que je mette ça là, et il faudrait que je mette ça ici. Voilà, ça si on veut faire les choses bien, si on veut répartir l'énergie correctement dans le vaisseau. Maintenant, ce qui pourrait nous intéresser, c'est de racoler ces deux-là le plus possible. On peut les racoler jusque là. Et bon, on les racole jusque là. Voilà.
ça on est bon. Et vous noterez qu'il nous reste un petit angle mort. C'est justement pour ajouter les trucs inutiles. Je sais même pas où c'est où. Là, c'est là. C'est où? Alors, peut-être pas dans ce sens-là, parce que pour le coup, ça risque de vraiment devenir inutile. Voilà. Voilà. Il est pas mal. Il est mignon, hein. Bon, il a que deux boucliers. Je voulais en mettre 5 à la base. Bon, c'est pas grave. Voilà. Fin de construction. Lecture. Allez, chargez-moi ça, qu'on voit un peu comment ça... Ah, je suis en train de regarder à l'envers. D'accord, super. On a un truc, hein. On a un truc, ça tient... Deux secondes là, faut que je vérifie là. 30 minutes de vidéo. Ah non mais là c'est un scandale. C'est un scandale. Je pense que c'est le dernier épisode en fait. C'est le dernier épisode. YouTube va me strike parce que cette vidéo est trop longue. Évidemment. Elle ne sera donc pas vue. Puisqu'elle fait plus de 10 minutes 75 secondes. Oh putain, je suis vraiment un connard, c'est génial. Excellent, excellent, je m'aime. Voilà, je m'aime. Sauvegarder la partie, easy life. Ouais, on peut écraser, on peut écraser. Parfait. Let's go. Alors, on est obligé de se battre contre des gens plus forts. Dit des professionnels. Oh là là. Il y a $1 million de primes là-bas. Je vais pas regarder. Où c'est le nombre de kilomètres qu'il y avait à faire pour y accéder. Je vais être obligé. Ça fait pas ça là-bas. Alors, j'ai 4 pupus, fils de pute. J'ai 4 électro-bolteurs. Explique-moi que tu veux essayer de te dire quelque chose, Jean-Jacques. Arrête avec tes boucles, ne te servent à rien tes boucles. Electro-bolteur. Le taser, c'est la police. Je vais enregistrer ce vaisseau, je vais vous le partager, je vais l'appeler This is the police. Ça brûle un peu. Voilà. Terminé. Suivant. Et je vous préviens, je vais vous faire un vaisseau de gros sac. Hein. Vous êtes pas au courant. Voilà, comme ça se termine un peu plus vite. C'est-à-dire que là, vous voyez le modèle que j'ai fait en première ligne. Hein. Je vais juste le doubler après. Faire ça. Oh, il est puissant. Oh, il est puissant. Il a la puissance. Complètement, il m'a causé des dommages irréversibles. $6 000 de dégâts, mais quel salaud. Ouais, 70 000 balles de côté. Ouh, je vais pas tarder à me faire engueuler. Oh, mais attends, ça c'est ultra élite, ça. Vieille garde. Ça y était déjà, ça. Je suis dubitatif. Ah ouais, c'est ça, c'est juste la distance. On n'a pas la valeur des cibles qu'il y a dedans. C'est dommage. Hop là, s'il vous plaît. Moi, je veux bien choper le micro en défaut que ce soir. Détruis celui-là, il est tout seul. Ce qui est une faute grave. Détruis celui-là. Je suis le plus près. C'est le plus proche. C'est pas les dégager. Bouclier en ligne. C'était très impressionnant, j'ai pas du tout regardé, je pense que c'est parce que leur puissance de feu était assez élevée pour percer mes boucliers. Ah, pour percer ici, tomber, taper sur les... J'ai pas du tout regardé, donc faudra que je regarde ce qui est défectueux, mais c'est juste... je pense que c'est juste un replacement des... replacer les choses... J'ai mal placé parce que j'ai la lance avec, j'ai tout fait en symétrique axiale comme un confort. Et en théorie, je devrais mettre des boucliers là, entre deux pupus. En fait, décaler par deux pupus. Ah, ça se fait, saute, au secours. Au secours. Voilà. J'aurais dû mettre ça entre deux pupus pour avoir mes boucliers qui chevauchent un peu plus que juste les pointes un peu faibles.
Il avait des tasers. Du coup, c'était chiant. Du coup, j'ai pris masse dégâts. Est-ce que tu as des tasers? Oui, il a masse tasers. Allez, ça a été terminé. Heureusement, il a pas de protection. Mais sinon, il y a que ça qui me fait des dégâts. Tout le reste, bon, on s'en fout en fait. Tout le reste n'existe pas. Professionnel aussi. Allez, hop, let's go. Let's go voir les professionnels du secteur. Let's go dégommer ça là. C'est intéressant comme jeu, hein, vous trouvez pas? Vachement difficile. Et encore, je suis sympa parce que je mets des, pour aller un peu plus vite, je mets quand même du laser dessus. Normalement, je devrais mettre un seul canon laser et tout le reste en plus. Vous voyez, regardez, il n'y a que ça qui fait des dégâts. Mais que ça, hein. Ouais, ça sert à rien. Tu te mets des boucliers pour quand même, quand tu tombes sur des mecs qui n'ont pas de pupille laser, Je joue comme un gros porc ? Ouais, exactement. Moi, je suis chaud pour continuer à farmer la thune sur des nulos. Hein. Parce qu'on veut 10 millions. Hein. On veut 10 millions, on veut s'amuser. Qualité et une difficulté hors norme. Voilà. En plus, vous verrez, je suis sympa parce que sur le vaisseau que je vous ai fait, j'ai quand même été sympa, j'ai pas été vache, je me suis dit, allez, je vais quand même pas faire un vaisseau qui est juste un gros taser. Ben en vrai, je pourrais vous faire une. En vrai, il faudrait que je regarde un modèle de taser. Et que je vous fasse un vaisseau qui ressemble à un taser, qui a que des feux électriques. Ça serait pas génial, non? Qu'est-ce qu'on en pense? On se fait une espèce de gros flingue taser électrique moche. Et super, genre vraiment, tu sais, le taser de sac à main, là, celui que tu mets dans le cou avec toute sa bande, là, voilà. Un truc moche comme ça, qui ressemble juste à un gros taser. On te fait un gros taser de vaisseau, et on va taser les autres vaisseaux. Voilà. Voilà. Et on l'appelle le choc électrique sur le coude. Pour ceux qu'on la ref. Ça paraît une excellente idée, qu'est-ce que vous en pensez? Non, parce que c'est important là, pour le coup, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'on se fait un petit trip de. On se fait un vaisseau choc électrique sur le coude. Voilà, en bleu police avec une plaque et tout, très rigolo quoi. Très rigolo lol. Il avait un seul piou-piou, j'ai déjà un pouvoir de réparation. Il avait que ça, hein, donc. Et juste il m'a touché, j'avais des répas. Ouais, parfait. C'est ouf. C'est insuffisant. Ah, par contre, le bruit, hein, franchement, j'ai beau avoir baissé le volume, moi ça me pète les oreilles. Hein, vous me direz aussi pareil pour le volume. Hein.
Vous me direz pour tout, hein. Essayez de suivre un peu ce qui se passe. Regardez l'épisode, quoi. Vous me l'avez demandé, mince. Essayez de vous sentir concerné. Et n'oubliez pas de vous désabonner, bien sûr. Ah, incroyable. Bethesda Smash. Et tout. Let's go. Ah ouais, d'ailleurs, pour mon propre son, je devrais me mettre en directeur moniteur. Comme ça, je m'entends en retour voix. Et je m'entends tellement pas même en retour voix que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour voix. C'est très drôle. C'est de la merde. Je vois pour balancer éventuellement mon micro en 24 et en 48. Je crois que ça va faire un son dégueulasse. Je crois que c'est ça le problème. Je crois que c'est pour. Ça va faire un son dégueulasse si je vous fais ça. Je crois. Après, j'essaierai. Mais bon, si vraiment vous me dites que vous m'entendez pas, au bout d'un moment, on repartira sur un petit micro dégueulasse. Parce que je... En fait, le pire, c'est que sur. Parce que j'ai toujours l'Iberix. Le micro du casque qui était vachement bas, que ce soit mon micro pied, c'est super. Ouais, bah c'est toujours passionnant. De toute façon, tant qu'il n'y a pas de taser, il n'y a pas de taser. Il n'y a pas de game. Pas de game. C'est marrant, là, je suis en train de regarder mon vaisseau. Et je suis en train de me dire, hein, c'est marrant, ça fait presque un visage avec un nez avec les deux canons laser. Et regardez, on dirait une tête de mort, ça fait un sourire, ça fait des cheveux avec les deux gros yeux qui essaient de hypnotiser, ça fait un nez avec les. Bref, vous avez compris, hein. C'était marrant. C'était marrant. En fait, ça lui fait une espèce de tête de mort de machin. Il reste des gens gratos ou ça y est, on peut commencer à taper dans la salade. Tape dans la salade, là. Allez, hop. Pourquoi la salade? J'en sais rien. Me posez pas de questions. Vous allez savoir que je suis taré depuis le temps. Café. Ouais. Ah putain, c'est tellement bien. Et en fait, il manque une seule qualité au café, c'est que les plants de café détruisent naturellement les plants de thé. Ça, ce serait vraiment... Ils en feraient de la perfection. La perfection. Parce qu'il avait une puissance de feu trop élevée et que du coup j'ai pris. Oh, c'est des chocs électriques. Oh le bâtard. Oh, lâche. Il a pris mon traître. Ouais, en fait, la petite particularité c'est quoi là, il avait une puissance de feu suffisante pour couper une seule couche de bouclier. Alors ça peut se faire. Ça peut se régler comme défaut. Juste en modifiant la trajectoire de par exemple, moi j'aime bien attaquer de face, mais si je devais montrer, en fait ça m'obligerait à, sur cette ligne là, décider de le décaler un peu sur cette ligne. Voilà, je vais pas le faire. Oh, la concurrence. Terminé la concurrence. Oh là là, il était beau, il était magnifique, il était splendide. Oh, est-ce qu'on peut l'acheter parce que je me le rajoute avec moi? Je me mets en position de combat, on arrive sur les côtés sur dégâts, on fait tourner les vaisseaux sur le même angle de tir, on les déboîte. On les déboîte. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire que de faire prendre par derrière. Mais bon, évidemment, on va toujours essayer de jouer le super croiseur, le super cuirassal de l'espace, c'est-à-dire le vaisseau qui navigue seul, qui marche seul, sans rien ni personne.
ou un truc comme ça. Et on va tout péter. On est à 700 000, hein. Toujours pour un vaisseau à 200 000, c'est important. Donc c'est important de préciser, je sais. Je sais qu'il y en a, ça me stresse. Ah. C'est important. C'est important. C'est assez important. La gratuité. Elle est gratuite. Alors voilà, là, pareil. Là, on n'est pas dans des vraies compagnies, rien. Mais si j'étais un peu pro, à partir du moment qu'il commençait à être stabilisé, j'aurais dû ralentir mon jeu. Alors, normalement, d'ailleurs, tu ralentis clairement ton jeu. Et j'aurais dû suivre son mouvement de décalage. En réglage de ma trajectoire pour compenser justement pour compenser. Ok. Non, c'était bien beau, mais c'était insuffisant. Allez. On est à 47 000 de VOD là. Plus jamais d'épisode. Terminé. Bon, tant qu'il fait moins d'une heure, je veux bien vous sortir un épisode final de quand je sortirai en version définitive. C'est vrai que cet épisode fera évidemment plus d'une heure. Wow, hey, j'ai pris d'arrêt. Ah oui, parce qu'il comment, il avait de la puissance de feu celui-là. Eh oui, les gros boum boum. Sur le bouclier. Ouais, j'ai vraiment très fort. C'est une erreur que j'avais fait ça à l'époque, c'était tellement une erreur de jeunesse. L'erreur de jeunesse, je vous explique maintenant. Sur mon vaisseau, en fait, les lignes de bouclier étaient trop près des armes. Les bimbos va arriver à... Les psipsites et les boum boum. Ah, le niveau de professionnalisme du jeu, absolument incroyable. Allons chercher des mots techniques, s'il vous plaît. Le boum boum, le canon standard, en fait, et le grand canon, en fait, avait une déflagration suffisamment assez large pour que, vu que mes armes étaient genre, la pointe de l'arme était à peu près genre à ce niveau-là, ou à peu près à ce niveau-là, etc. En fait, la déflagration endommageait l'arme, même si ça faisait pas tomber le bouclier. Voilà. Du coup, c'était rigolo. D'ailleurs, en parlant de choses rigolos, je ne ferai pas ça, ça, ou on ne se porte pas du comme ça, un peu en avancée, comme ça, c'est eux qui prennent de la place. Par contre, je crois que je te remplace toi du coup. Parce que tu es trop en avance. Le 91%, je ne suis pas tout. De toute façon, vous êtes largement suffisamment nombreux là-dedans et tout, bazar, débrouillez-vous. Ce vaisseau n'a pas besoin de plus, mais il nous rappelle le style d'un vaisseau que j'avais conçu et qui était relativement stylé. Et qui forçait l'ennemi à n'aggro qu'un seul coin de mon vaisseau. C'était dans les débuts, hein. Aujourd'hui je le regarderai, je ferai le secours. Et quelle est donc cette merde qu'on m'a collée devant les yeux? Rendez-moi ce caca. Caca. Mettez celui-là. J'ai été annihilé. C'est pas beau ça? Alors? Bah voilà. Pas de salle de contrôle.
Ah oui, alors ça, c'est par contre, c'est le problème. C'est qu'à partir de maintenant, je peux plus reconstituer mon vaisseau. Parce qu'en fait, il va que me réparer cette section-là. Voilà, il va me réparer que ce morceau-là. Et pas l'ensemble du vaisseau. Du coup, c'est un peu. C'est un peu cocasse. Bah, du coup, on change de vaisseau quelque part. Les vaisseaux perdus. Quel est donc ce vaisseau de merde là? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Attends, c'est vraiment des vaisseaux que j'ai fait. Ça, c'est des vaisseaux que j'ai bricolés, ça. C'est complètement des vaisseaux que j'ai bricolés, ça. Par contre, ce vaisseau est beaucoup trop cher pour ce qu'il est. On est bien d'accord. Mais c'est parce qu'il a beaucoup trop de propulsion pour ce qu'il est. D'accord. Bon, après, il a ce qu'il faut. Go tirer sur des trucs. Mais vraiment? Je vais me prendre que des vaisseaux avec des trop grosses puissances de feu? Oh, ça y est, je suis dégoûté. Tout ça parce que j'ai un vaisseau qui n'est pas à 500 000 dollars. Alors en vrai, j'ai pas regardé. On aurait pu regarder si les trucs sont pas poches. Jusqu'à la dernière miette. Merci mec. Vaisseau intégré. Donc ça c'est tous les vaisseaux du jeu. Ah oh, ouais. Il y en a un paquet. Le mec a un peu bossé sur ses vaisseaux depuis, hein, je crois. Bon, on va reprendre une merde. Hein. C'est hors de question qu'on reprenne un beau vaisseau. Hein. C'est celui-là qu'on avait à 171 000... Fais voir. On voit ça. Ouais, C'est peut-être un peu des caisses. J'ai largement assez d'équipage. Effectivement, donc on peut s'ajouter une entière.
tiens, c'est un petit vite fait ici. Ce qui va nous intéresser, c'est du couloir pour je vais avec, hein. Et voilà, c'est une idée. Pour l'idée, c'est pas savoir où je vais aller. Pour ce qui est de la production. Voilà, on a largement assez de propulsion. Et on a un vaisseau à combien, juste pour savoir? À 229 000. Alors non, mais c'est up. Regardez, c'est incroyable. Est-ce qu'on a déjà vu un vaisseau aussi beau? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vraiment, j'ai beau chercher dans ma mémoire. Les petites escrocs, les petites escrocs. Ça, c'est vraiment pour le art design, quoi. On a beaucoup trop d'équipage. Si je supprime cet équipage, on devient subitement limitant d'équipage, d'accord. Pourquoi je me suis toujours pas intéressé à ce système d'équipage avec qui doit gérer les machines plutôt que de tout. Et le quota est respecté. On peut même s'offrir un peu de rap pour ceux qui veulent. On s'offrir un petit peu de rap ici vite fait. On a un peu de rap en équipage, on est pas mal. Par contre, lui me dit que clairement il a pas assez de couverture, mais est-ce que quelque part on peut faire demain? Et on a 227 000 francs. Franchement, on a un vaisseau, mais waouh. Moi j'ai envie de sauvegarder parce que j'ai envie de le garder vraiment très très longtemps. Je pense que c'est vraiment un vaisseau qu'il faut qu'on garde une éternité. Tout le long du jeu jusqu'à la fin. Let's go, on va le tester vite fait. On va voir ce qu'il donne. Normalement, il y a assez de pupitage. Ça se fait pas de tirer sur les autres. C'est un peu le cas. Ah mais du coup, il a moins une tête de mort mexicaine. Ça c'est un peu dommage. On a un peu perdu là-dessus, je pense. Alors après pareil, hein, dans les vrais escrocs, il y a vraiment la distance à laquelle vous souhaitez engager les vaisseaux. Elle est extrêmement importante aussi, parce que selon comment vous avez agencé votre armement, genre les deux gros canons laser là, ils tirent assez loin. C'est-à-dire que je peux effectivement, en temps normal, alors pas sur des petits vaisseaux comme ça, mais sur des gros vaisseaux, choisir de compenser la distance et l'empêcher de pouvoir me toucher avec son armement d'électrobolteur pour uniquement profiter de la longe de mes canons laser ou de mes très grands canons pour lui péter la boule. Voilà. Il reste deux secteurs. Bon, on se les fait vite fait. Deux clics. Voilà. On se le fait en x10. Allez, let's go. Déjà un peu plus de mal à percer avec ces gros canons, hein. C'est assez rapide pour vous. Sûr et sûr de need backup, hein, évidemment. Ouais, attends, c'est dans ce sens-là. Thank you.
ça n'a pas posé de problème. Ça n'a pas posé de problème. Et ben, on a terminé de nettoyer le coin. Hein. On a terminé le coin, on est à 700 et quelques mille. Oh là, ça va être si long de farmer les 9 millions. Parce que là, j'ai bien peur que, arrivé ici, on rigole déjà beaucoup moins chez les vétérans avec notre petit vaisseau à 200 000. Parce que normalement, on joue avec des vaisseaux à 500 000 à peu près, je dirais, à 500 000 dollars. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, c'est fait pour ça. Si bien sûr vous détestez donc toutes les questions que j'ai posées, est-ce qu'on se fait un vaisseau taser ou pas, est-ce que le son c'était bon ou pas, démerdez-vous, enfin dites-moi les choses quoi. Essayez de suivre un peu ce qui se passe et puis bah, je vous dis à l'année prochaine, des bisous.